Alors, je crois qu'aujourd'hui j'avais dit que je parlerais compléter plutôt les éléments et les données sur ce qu'est le corps d'éternité, parce que c'est au niveau de ce corps d'éternité, bien sûr, vous l'avez compris, qui était prisonnier dans le soleil, que se trouve le corps d'éternité. Je vous avais déjà dit que le corps d'éternité ou corps d'être-té est strictement identique dans sa structure vibrale, quelle que soit la dimension. Mais c'est simplement une apparence ou un déploiement de ce corps d'éternité qui est différent selon les constituants de l'environnement où la conscience se manifeste. Ça, vous le savez. Que la forme est mutable selon l'espace dimensionnel ou la strate dimensionnelle qui est vécue. Mais qu'en définitive, il n'y a qu'un corps d'éternité, de la même façon qu'il n'y a qu'un seul cœur et qu'il y a une seule conscience. Il n'existe en définitive qu'un seul corps d'éternité. Je vous avais expliqué que ce corps d'éternité est constitué d'un assemblage particulier et précis de 24 triangles qui nous renvoie à la Trinité, bien sûr, mais au-delà de ça, ce qu'on appelle la civilisation des triangles, qu'on a appelé aussi de différents noms dans la tradition, aussi bien ça a été appelé aussi bien, comment dire, ces triangles, on peut les retrouver bien évidemment dans toutes les trinités, quelles qu'elles soient, Père, Fils, Saint-Esprit, Vishnu, Brahma et l'autre, Shiva. Vous allez retrouver cette notion de trinité partout. Les Ayot HaKodesh, les Séraphins, par exemple, ont cette structure triangulaire dans leur dimension d'origine. Je vous avais expliqué aussi que chaque organe et chaque fonction du corps est en résonance avec ce qu'on appelle un génie archétypiel, qui n'est rien d'autre qu'une structure triangulaire qui intervient dans la structuration dimensionnelle et pas seulement de la matière. Donc il est tout à fait normal que ce corps d'éternité soit constitué de façon archétypielle, vibrale, originelle, de 24 triangles. Je vous rappelle que dans la logique de la création, il y a d'abord le zéro, l'absolu, l'Ein Sof Aor, ce qui est au-delà de la lumière et de la forme, qui se transforme en 1, qui est la source, et le 1 donne le 2, et le 2 donne le 3. Le 3, c'est ce qu'on appelle le ternaire opérateur de création. C'est la lettre Shin en hébreu, valeur numérologique 300, parce que la lettre Shin, c'est quoi? C'est Yahvé, transmuté par Yé, par le Shin de Jésus. À l'époque, il y avait un rituel qu'on faisait très souvent pour purifier les cristaux et tout, qui était de consacrer un cristal au nom de Yodévavé, au nom du diable, mais manifesté par le pouvoir de Shin, c'est-à-dire par de Yeshua, de Yahvé à Yeshua, c'est-à-dire de Yahvé à Jésus. Vous n'avez qu'une lettre de différence. Et c'est cette trinité qui remet de l'ordre dans la falsification et dans l'illusion même de la création. En ton nom, je réunis le 3 en 1. Ça, vous l'avez vécu dans le yoga de l'unité. Cette réunification du 3 en 1, c'est exactement ce qui se produit à l'échelle cosmogonique, puisqu'on est en train de replier les dimensions et de faire le miracle d'une seule chose, c'est-à-dire d'un seul cœur, d'une seule conscience, comme avant. Alors, comme avant, bon, je l'ai écrit ce matin, mais c'est très simple. Je vous ai dit hier qu'il y avait cette parole « comme avant » dans des milliers de chansons, tout simplement parce que ça vient du syllabaire originel sumérien Jina Abdul, des mères généticiennes, qui sont la première émanation du souffle au sein d'une densité différente de la source. La première densité triangulaire, c'est ce qu'on appelle les quatre vivants, les quatre Ayot HaKodesh, qui entourent le trône de la source et qui ont permis l'émanation de la source à travers le 1 conforme à lui-même, c'est-à-dire Métatron, la colonne de lumière blanche, qui ensuite s'est dédoublé lui-même pour créer l'androgyne primordiale. Tout ça accompagné par les quatre éléments, les quatre bases de l'ADN, bien sûr, plus la cinquième base, qui est l'uracile de l'ARN, du messager, le messager étant Mercure, le messager des dieux, ou l'archange Gabriel, bien sûr, et tout ça vous renvoie au mystère et au mythe de la création. Hier, on a tenté de l'expliquer, même si c'est écrit
dans toutes les cosmogonies, où que vous regardiez, depuis les peuples primitifs, jusqu'à Sumer, jusqu'à l'Égypte, jusqu'aux Incas, jusqu'aux Mayas, jusqu'aux Aztèques, et dans toute organisation, même sociétale, aujourd'hui, même dans la falsification, cette trinité est toujours opératrice. Elle est opératrice de création. Hein, parce que le Shin, c'est le mouvement de la vie, c'est ce qui va induire la précipitation au sein de la forme, et ce Shin fait partie de l'anomalie primaire antérieure à toute création. C'est le Joker, Jésus, qui est venu par le sacrifice de son sang réensemencer la terre avec la parole d'Abba, c'est-à-dire la parole du Père-Mère créateur originel, qui est parfaitement décrit dans le mythe d'Isis et d'Osiris, bien sûr, mais encore une fois dans toutes les cosmogonies. Donc ce corps d'éternité, porteur du verbe et du souffle qui anime l'argile que nous sommes, hein, en tant qu'Adam, en tant qu'homme rouge, c'est-à-dire l'homme d'argile, qui se transmute et se transsubstante par la puissance du verbe en nouvel homme, c'est-à-dire passer du fils de Dieu au fils de l'homme, c'est-à-dire de passer au fils de, du fils du diable au fils de la source, à la dame Kadmon, l'homme véritable, ce qu'on appelle l'homme de cristal, c'est-à-dire retrouver la dimension qui va nous réaffilier au premier drame de la création, puisque ce premier drame de la création a été inscrit dès le moment où la source s'est dédoublée en Métatron et son double, sa parèdre féminin, donc la polarité, à ce moment-là, cette anomalie primaire a été vue par les quatre vivants, les quatre ayot HaKodesh, qu'on appelle les quatre éléments, hein, et l'ensemencement des sphères de vie, dont la première fut à la fois Sirius et à la fois la Terre, qui sont reliées, bien sûr, par la sacralité du noyau cristallin, qui n'est rien d'autre que la pierre du front de la connaissance, c'est-à-dire l'émeraude de Lucifer, mais aussi la pierre bleue de Marie, c'est la même pierre. Hein? Donc la pierre verte et la pierre bleue sont les deux faces de la même réalité, une porteuse de l'anomalie primaire, la pierre verte, et celle qui retrouve son intégrité, la pierre bleue, de la première création sur les plans les plus élevés, c'est-à-dire à la limite de l'anthropomorphisme, qui correspond aux trois étoiles de Sirius, puisqu'on sait qu'il y a trois étoiles, la Trinité, chaque étoile est emportée, de ces trois étoiles, est emportée par l'un des ayotes à Kodesh. Ce qui explique que la mère généticienne principale, qu'on a appelée Marie, ne vient pas de Sirius. Son origine stellaire, d'ailleurs elle n'a pas de lignée de Sirius, ne vient que de la civilisation des triangles. Et en particulier, avec un des ayot HaKodesh qui est le plus important, bien sûr celui du feu, Veouya, qui est le Métatron, mais aussi celui de l'air. Parce que qu'est-ce qui anime la forme? C'est le souffle, ce qu'on appelle le ruach en hébreu, c'est-à-dire l'émanation de la source qui vient animer la forme. Nous sommes tous porteurs de cette vibration originelle du verbe à travers le système solaire qui a été appelé Altaïr. C'est pour ça que tous les gens qui ont voyagé en conscience nue se sont retrouvés soit sous les ailes d'un aigle blanc ou d'un phénix, puisque la transsubstantiation du feu et de l'air, puisque l'air alimente le feu, va recréer l'eau primordiale du premier Éden, c'est-à-dire Hawaï. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, où là-bas, de manière archétypielle, au sein du premier paradis, le feu a rejoint l'eau pour donner symboliquement la nouvelle terre, qui n'est plus de carbone, mais de silice, parce que la roche qui sort maintenant de Hawaï est de la roche qui, en refroidissant, n'est plus noire, mais blanche. C'est-à-dire qu'en ce moment même, le feu comprimé de la terre, le feu enfermé de la terre, fécondé par le souffle de Ruach, de l'esprit, a revivifié le noyau cristallin de la terre, puisque je l'ai enlevé, et a permis, si vous voulez, à toute cette masse magmatique qui était comprimée de ressortir. Donc, oui, la nouvelle terre a perdu les eaux, puisque le ciel a fécondé la terre de nouveau,
sans l'anomalie primaire. Hein, je vous rappelle que l'anomalie primaire a été levée le 7 ou le 8 mai, je ne sais plus si c'est le 7 ou 8 mai, je ne me rappelle plus, à 22h, 7 mai je crois que j'avais dit 22h, et que c'est à ce moment-là précis que la bouche d'Hawaï, la bouche d'Éden, s'est ouverte. Vous savez qu'il y a 24 fissures à Hawaï, hein, et que c'est la 8e, bien sûr, la justice de Maat. Maat, la déesse de la justice, qui est aussi Marie, qui a redressé par le souffle l'anomalie primaire sur la Terre. Donc la lave qui sort de Hawaï, du nouvel Éden, qui n'existe pas, bien évidemment, est blanche. Ça veut dire que le feu, cette fois-ci, dans l'alchimie profonde de la Terre, commence à faire fondre la roche et la pierre. Parce que ce qu'ils font, c'est la roche la plus dure, le basalte, qui vous renvoie au bas en Égypte, hein, ce qu'on appelle non pas le cas, mais le bas, vous renvoie très précisément à l'alchimie qui est visible dans le creuset de la Terre, aux yeux de tout le monde. La silice recouvre la Terre, le paradis blanc est en train de recouvrir la noirceur de la Terre. C'est exactement ce qui se passe dans l'œuvre symbolique, de passer de l'œuvre noire en passant par l'œuvre rouge et l'œuvre jaune qui vous conduit à l'œuvre blanc et à la finalisation de l'œuvre terrestre, qui est la première œuvre en même temps que Sirius. Donc tout se tient, mais en totalité, c'est imparable. Hein? Ce qui se passe en haut est comme ce qui se passe en bas, en l'inversant et en le retournant, retour à l'origine, retour à l'or, retour à Od, retour à la porte étroite et retour au-delà de toute création. Donc, où que vous regardiez, avec le regard non pas de l'observateur, mais avec l'œil de l'esprit, vous ne voyez que le même drame cosmique, entre guillemets, puisque c'est une réjouissance, qui se déroule à l'échelon de la cellule, dans notre ADN, puisqu'on est en train de retrouver nos 12 brins d'ADN ici même dans ce corps, et tous les potentiels qui y sont liés, la conscience nue, la conscience d'éternité, la capacité d'emprunter tous les costumes de la création au niveau des archétypes, c'est-à-dire de jouer comme j'ai fait avec le marteau de Thor, d'être Odin, d'être Lolo, d'être Quetzalcoatl, et de constater les effets de ces archétypes directement au niveau des éléments de la Terre. Hein, je vous ai pris un exemple. À chaque fois qu'il y a une zone qui est dévastée par un orage et par la grêle, vous savez qu'en France en ce moment ça y va dans toutes les régions, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est le marteau de Thor, c'est-à-dire l'éclair qui a frappé l'enclume. Le marteau de Thor, c'est l'éclair flamboyant, l'éclair blanc, que représente la polarité de l'androgyne primordiale, non encore fusionnée à sa polarité féminine. Et la rose blanche, pas la rose rouge, la rose blanche, est lié bien sûr au couronnement du grand œuvre qui va permettre de restaurer la couronne de Marie, c'est-à-dire de rendre à leur place les 12 étoiles et non plus seulement la pierre de Lucifer de la connaissance, mais la pierre bleue de la connaissance de l'origine, qui est bien plus que toutes les connaissances parcellaires qui ont été expérimentées dans toutes les dimensions, enfermées ou libres. Donc il ne peut rien y manquer, il ne peut pas y avoir d'anomalie. Tout est joué, entre guillemets, à la perfection. Le ciel rejoint la terre, la structure qui permet de conscientiser cela à l'interface intérieure-extérieure, c'est-à-dire à l'endroit du temps zéro, c'est le corps d'éternité. Dans ce corps d'éternité, vous avez exactement l'histoire de la création. Dans ce corps d'éternité, vous avez l'alpha et l'oméga, de même que l'epsilon. Cela se conscientise maintenant depuis plus d'un mois. Je vous ai dit qu'il fallait 40 jours pour traverser le désert, en musique ou en silence, en la joie ou en la souffrance, pour se retrouver effectivement dans cette régénérescence du phénix et du cri du phénix qui a ressuscité son androgyne primordiale, c'est-à-dire qui a fusionné avec son double réellement et concrètement. Donc le drame cosmique ne se joue pas seulement au niveau de Abba, du père et de la mère, entre guillemets, ou d'androgyne primordiale, père, fils, Saint-Esprit, il se joue en chacun, puisque nous sommes tous porteurs de cette émeraude et de cette pierre bleue. Ce sont nos 12 étoiles, c'est la couronne de Marie, c'est-à-dire les 12 étoiles sont enfin reliées au point R,
à l'éther primordial. L'éther primordial n'est rien d'autre que le paradis blanc et n'est rien d'autre que cette alchimie que nous vivons tous les uns et les autres à travers la chair, à travers la conscience, à travers le corps d'éternité, c'est-à-dire à travers le 3 en 1 qui met fin à l'illusion du feu prométhéen, le remplaçant de partout, depuis le point de départ jusqu'à l'oméga qui est ici, sur cette terre, Ode, se réalise le grand œuvre. Donc le grand œuvre, quand il se réalise depuis un point alpha jusqu'au point oméga, eh bien, il n'y a plus d'alpha et d'oméga. La route est terminée, retour à la béatitude, retour à la source primordiale, et c'est le corps d'éternité qui nous permet de réaliser cela à travers sa mise en fonction, sans même parler de la conscience nue ou de ceux qui se baladent dans les différents costumes, parce qu'on peut essayer tous les costumes, qui ne sont que des costumes d'emprunt, qu'on appelle le monde des archétypes. Ce monde des archétypes se situant à l'interface du corps causal et de ce qu'on appelle le corps spirituel ou le corps bouddhique, donc avant le corps atmique, c'est-à-dire en pleine conscience, redevenir non plus cette conscience nue ou cet amour nu, mais cette première étincelle divine du premier souffle, du premier inspire, du premier expire, chose que nous voyons maintenant avec la respiration du cœur, comme je vous l'avais dit, qui passait d'un rythme binaire expansion-contraction à un rythme ternaire, où là, nous réunissons le 3 en 1. Il n'y a pas d'autre porte que le cœur, la connaissance est stérile, il n'y a pas d'autre porte que de se donner soi-même à cette porte pour comprendre qu'on est l'autre et le vivre. C'est en ce sens que le Christ avait dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. » Aujourd'hui, ce que vous faites chacun d'entre vous à l'autre, c'est à vous que vous le faites. Et si ce que vous faites à l'autre, même le pire des diables et le pire des ennemis, est le même traitement que vous avez envers vous, vous êtes dans l'amour et dans rien d'autre, puisqu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de distance. L'alchimie qui correspond à cela, cette alchimie finale où le feu igné éteint en totalité le feu vital, c'est ce que nous vivons maintenant, mais sans être dans la disparition, en toute lucidité, que ce soit dans les alignements, que ce soit dans les communions, dans les fusions de cœur à cœur, ou dans les descentes, entre guillemets, ou d'émergence de l'énergie de l'intérieur, qui réalise la même alchimie. Donc cette cohérence, elle est totale, et vous allez la retrouver, comme je l'ai dit, aussi bien dans les chansons que dans les images. Les images qui étaient avant l'anomalie primaire, frère Kahn en a parlé longuement, puisque l'image nous renvoie à la magie et au voile, alors que l'image maintenant, toutes les images, tous les verbes, tous les sons, tout ce qui est vu, tout ce qui est perçu, tout ce qui est vécu, ne peut que nous renvoyer, en définitive, qu'à cette étincelle divine, donc à la réminiscence du premier souffle, Bereshit bara Elohim, retrouver la dimension de l'Elohim, l'Elohim premier, qui est bien sûr Abba, Alta, d'Altaïr, qui a donné à chaque cycle, parce qu'il a accompagné sa création, en même temps que Marie, pour lui montrer l'erreur de la création, depuis le début, il ne pouvait pas naître. Il ne pouvait pas en être autrement, du premier Éden, premier soleil, jusqu'au cinquième soleil, avant la sixième race racine, qu'on appelle la race bleue, qui ne sont que nous-mêmes, dans un autre espace et un autre temps, qu'on a appelé les mères généticiennes de Sirius. Puisque tous les costumes sont nous, que ce soit le costume du Christ, que ce soit le costume de Yaldé, que ce soit le costume d'Abba, et il ne pouvait pas en être autrement. Ce que je vous disais hier est la stricte vérité. Vous êtes tous Abba. Il n'y a pas un Abba à adorer. Il n'y a pas un Abba qui se tiendrait au centre de sa création, dans l'absolu, dans le néant, et qui contrôlerait je ne sais quoi. Il est aussi dans le tout, et il est aussi dans chacun. C'était la seule façon de résoudre le drame. Il n'y en a pas d'autre. Donc, ce corps d'éternité, il va illustrer quoi en nous? Il va illustrer ce qu'on appelle l'éclair flamboyant. L'éclair flamboyant, c'est le parcours en
étoile en zigzag de l'éclair qui avait été donné à l'époque au niveau des 12 clés métatroniques des 12 étoiles de la tête. Le parcours se fait, vous rappelez, d'une étoile Hall et va zigzaguer l'éclair flamboyant. Je vous avais dit à l'époque, sans y faire attention, qu'on avait mené des expériences à l'époque avec Étienne Guillet, avec tous les plus grands scientifiques, où on avait réussi, en frappant une plaque de cuivre, de métal, avec un éclair, avec un angle de 51 degrés et 30 minutes, qui est l'angle de la cristallisation de la vie, que vous avez dans l'ADN, que vous avez dans la molécule d'eau, que vous avez partout sur les pyramides de Khéops et toutes les pyramides de la Terre, c'est exactement la même chose. Parce que quand l'éclair frappe la matière, vous créez la forme d'un homme. Vous ne créez pas un oiseau, vous créez une tête, un tronc, deux bras et deux jambes. Et à chaque fois, quand on a fait ces expériences, c'était hallucinant. Vous faites frapper un éclair, une plaque de cuivre avec un angle précis, vous avez un homme qui apparaît. Hein? Et on peut faire la même chose avec le son. Par exemple, vous avez un monsieur qui est décédé maintenant, qui s'appelle, je crois, Tomatis, hein, vous avez peut-être connu, qui a fait la rééducation de l'oreille. Tomatis est un être exceptionnel. Vous le mettez devant un oscilloscope et vous lui faites prononcer la lettre Aleph. Et vous voyez la lettre Aleph qui se dessine. Qu'est-ce que c'est que la lettre Aleph? Celle que j'ai mise dans mon premier livre, Du corps humain au corps divin. La lettre Aleph, c'est quoi? C'est le symbole de la cristallisation de la vie, le premier axe de l'Aleph, avec le Yod, la main tendue vers le ciel, et l'autre partie, c'est le Kof, le pied qui s'appuie au sol, avec le retournement entre la gauche et la droite, et la droite et la gauche. Hein? Le retournement qui accompagne la naissance, vous naissez tête en bas, vous vous redressez et vous marchez, la naissance spirituelle, ou l'accouchement de Mahat, c'est-à-dire la justice et la vérité, ne se fait plus par l'utérus, mais par la bouche. Le col de l'utérus, le col de la gorge. Ce qui sort, ce n'est plus la matière, c'est l'esprit. Dans tous les sens du terme. Sur la terre, la croûte n'est plus du carbone, c'est de la lave blanche, c'est-à-dire c'est de la silice, le paradis blanc. Et depuis la dimension la plus dense, qui est celle-ci, jusqu'à la dimension la plus élevée, c'est-à-dire jusqu'à la 31e, au-delà des Ayota Kodesh, c'est la même résolution qui se produit en ce moment. Cette résolution, elle se fait donc comment? D'abord, on l'a vu toutes ces années, par la conscientisation progressive du corps d'éternité, sa perception, son actualisation, sa rencontre, et finalement, et en définitive, la fusion avec notre double, notre corps solaire, notre Christ intérieur, qui nous ramène au Père et à la Mère. Et c'est ça que nous vivons. Et tout ce qui va être image, son, vibration, forme, maintenant, n'est plus au sein de l'anomalie primaire. Il n'y a plus aucune ligne de prédation, il y a uniquement les lignes de la vérité, qui sont des lignes de diamants, bien sûr, et qui vous donnent à voir, par exemple, ne serait-ce que dans votre lit la nuit avant, quand vous voyez ce treillis éthérique qui existait à l'époque, qui est remplacé, maintenant, il n'y a plus de treillis. Je vous l'ai dit, vous parlez, vous voyez vos mots que vous émettez, qui se transforment en lumière. Donc, c'est réellement le verbe. Quand vous êtes dans la parole, vous pouvez faire réciter des prières, vous voyez ce qui sort, vous ne voyez rien. Là, maintenant, quand vous êtes dans le verbe, quand vous dites « Abba », vous voyez la forme qui est devant vous, il faut un éclairage particulier, hein, presque la nuit. Et c'est pareil pour n'importe quel archange. Je dis Anaël, Anaël est là, concrètement et de façon palpable. C'est-à-dire vous retrouvez le verbe, non plus le verbe créateur, vous l'expérimentez, mais c'est ce verbe créateur qui, relié à son origine, vous redonne l'axe central, c'est-à-dire l'axe de Métatron, et vous redonne ce qui est antérieur à l'unité, c'est-à-dire qui vous permet de rejoindre le zéro. Comment ça se traduit maintenant au niveau du corps d'éternité et dans notre sac de viande? Ben, c'est affreusement simple. Affreusement simple. D'abord, on a parlé de la syntonie. La syntonie, vous vous rappelez, on a rejoint les différents secteurs du corps
Hein? Et qu'est-ce qui se passe au niveau des jambes? Hier, on a parlé des problèmes sur la jambe droite pour à peu près 80% des gens et sur la jambe gauche à 80% des gens. Vous avez une jambe gauche, une jambe droite. Hein? Une jambe de polarité masculine, une jambe de polarité féminine. Vous devez réunir en vous le 3 en 1. Vous devez fusionner en vous vos polarités masculines et féminines afin d'épouser complètement votre double, c'est-à-dire votre corps d'éternité. Jusqu'à présent, vous vous rappelez, en 2012, lors de la libération du noyau de la Terre, il y avait une capacité à vivre l'onde de vie qui remontait plus ou moins. On a vu après que cette onde de vie, en 2014 et 2015, avait trois composantes. La composante principale, une composante antérieure et une composante antérieure. Maintenant, au niveau du corps d'éternité, vous avez exactement la même chose. Vous avez quoi? Vous avez trois flux. Vous avez un flux qui part des gros orteils et qui vient directement sur les portes de l'aine. Et si les gens appellent les portes profondeur et précision, c'est le nom des étoiles, mais c'est avant tout le pli de l'aine. Le pli de l'aine. Remplacer, puisqu'on replie le tout, par la disparition des polarités, c'est-à-dire de la jambe gauche et de la jambe droite, le colosse au pied d'argile, la légende d'Achille qui assiège la ville de, qui défend la ville de Troie, pardon, avec Hector qui le tue à la fin, c'est le même drame qui se joue où que vous regardiez, en vous, comme dans l'histoire du monde, comme dans l'histoire de la création. Donc vous avez ce flux qui part des gros orteils, qui remonte antérieurement jusqu'au pli de l'aine. Vous avez un flux qui part de la source de l'onde de vie, c'est-à-dire la source jaillissante qui évoque la fontaine de cristal qui est en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La source jaillissante, premier point du méridien du Rhin. Or, les Chinois nous disent quoi? Nous avons un Rhin Yin et un Rhin Yang. C'est le seul organe qui sont subdivisés comme ça. Hein? Et que quand on passe du ciel non manifesté, ce que les Chinois appellent le ciel antérieur, comme avant. Quand on passe du ciel antérieur au ciel postérieur, c'est-à-dire au ciel manifesté, il y a un retournement. Pour retourner à l'origine, vous êtes obligé de faire le même retournement. C'est exactement ce qu'on a fait pendant toutes ces années. On a préparé l'ultime retournement qui précède l'achèvement des noces, non plus célestes, non plus les marches, non plus tout ce qui a été vécu, mais des noces, cette fois-ci, terrestres, qui résolvent le drame initial de la création. Tout se joue maintenant, hein, et tout ce que nous voyons quand on dit qu'il n'y a pas de temps et qu'on replie les dimensions, nous sommes, quand nous voyons un végalien, ce n'est que nous. Quand nous voyons une mère généticienne de Styrus, ce n'est que nous. Tout ce que nous voyons nous parle que de nous. En chacun de nous, puisqu'il y a 7 milliards là-bas, en cet univers, en cette partie de l'univers. Mais ce n'est qu'une image démultipliée à l'infini qu'on appelle un hologramme. Rien de plus, rien de moins. Donc ce corps d'éternité, lui, comme le corps de chair, malgré les différences de forme, de race, de religion, d'âge, de comportement, de physiologie, nous renvoie à un seul corps, qui est le corps du Christ. Et aujourd'hui, quand il nous est demandé de manger les démons, de manger la terre, de réabsorber en nous tout ce qui se présente, même quand c'est douloureux, n'est rien d'autre que de manger le Christ, c'est-à-dire non plus cette Eucharistie falsifiée avec l'hostie, puisque l'hostie, ben, vous pouvez en manger tant que vous voulez, hein, le corps du Christ, moi je l'ai eu que deux fois dans la bouche. Ça dépend du prêtre. Parce que c'était lui l'intermédiaire qui faisait descendre le ciel dans son ciboire, comme le Padre Pio. Hein? Mais si le prêtre, ce messager, n'est pas aligné, il ne fait rien descendre du tout, le ciel se déchirera jamais, et l'hostie ne sera jamais consacrée. Sauf si, bien sûr, vous êtes vous-même consacré, et que vous prenez une hostie falsifiée, que ça devient un bout de chair dans votre bouche. Comme, par exemple, dans les apparitions de la Vierge à Akita, au Japon, où la médium, quand elle prend son hostie, elle ouvre la bouche, c'est un morceau de viande. Elle a mangé le Christ, non plus symboliquement, mais réellement et concrètement. Et vous devez réabsorber chacun, toutes vos parties, même les plus douloureuses, même les plus insignifiantes, ou même ce qui sont le plus lourdes à porter, parce qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie que le cœur. Et c'est le cœur qui mange tout. Vous devez vous manger vous-même.
Hein? Et le Christ le disait déjà, ce n'est pas celui qui est mangé qui gagne, c'est celui qui mange. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche, il disait, ce n'est pas les aliments puisque vous devez manger, mais c'est ce qui en sort, c'est-à-dire le Verbe. Hein? Donc la cohérence est totale, ce drame cosmique s'imprime et s'exprime à travers notre corps. Donc je reviens à mes deux piliers, vous avez deux piliers latéraux qui sont le cadre, les deux premiers piliers de la création, la dualité, l'anomalie primaire. S'il n'y avait pas eu d'anomalie primaire, il n'aurait pas pu y avoir de création, puisque tout était parfait. Donc vous ne pouvez remercier, même si vous en avez marre de la matière, ou même si vous souhaitez rester dans la matière, vous ne pouvez remercier que celui qui a permis cette anomalie primaire. Et c'est qui ? C'est le porteur de lumière. Lucifer. C'est Lucifer. C'est Marie. C'est le Père. Tout le monde porte cela en soi. Et tout le monde doit rédempter, comme on a dit, c'est-à-dire renverser la création, comme on le dit, hein, qui n'est pas un chaos, qui est la perfection. Et ce n'est qu'en vivant la perfection, à un moment donné, ou à un autre, dans ces temps-là réduits, qu'on appelle deux temps, un temps, la moitié d'un temps, ou si vous préférez, les 40 jours de la traversée du désert, je reprends encore des références bibliques, hein, on est marqué à vie, je crois, mais néanmoins, c'est ça qui vous permet le chemin du retour. C'est le retour de l'enfant prodigue, c'est le retour de celui que le Père accueille, qui est allé au plus loin dans ses expériences, même dans les plus infâmes, parce qu'il n'est rien d'autre que Abba, lui aussi. Bon, bien sûr, on enlève 50% des portails organiques, hein, qui, eux, deviennent rien. Mais je parle des humains âmes. Et je parle de toute conscience manifestée dans un corps, dans une forme, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, ça concerne aussi bien le Soleil que la Terre, que toutes les planètes, de toute la création et dans toutes les dimensions. Il n'y a rien d'autre que quelque chose qui retourne à comme avant. Comme avant, vous l'écrivez de différentes façons, comme COME, vous l'écrivez aussi comme en anglais, pour une fois, venir, et vous l'écrivez aussi comme le lac de Côme. Mais ça s'écrit surtout en sumérien, KOHOM, K-O, le K, le double, HOM, le HOM que vous connaissez. Le double rejoint le HOM, le premier verbe. Donc, où que vous regardiez, même sans connaissance ésotérique, symbolique ou autre, tout ça ne peut que vous amener clairement, de plus en plus clairement, à ce que vous êtes. Peu importe que vous ne connaissiez pas l'hébreu, Aleph, je pourrais vous en parler pendant 10 heures d'Aleph, mais ça ne vous servirait à rien, puisque vous êtes Aleph. Vivez-le. Vous n'avez plus besoin de l'extérioriser. Vous n'avez plus besoin de l'exprimer, vous avez besoin de l'imprimer, c'est-à-dire de le vivre de l'intérieur. Et vous êtes Aleph. Qu'est-ce que c'est Aleph? On l'a fait, je vous l'ai montré. C'est le battleur du tarot, c'est celui qui a les pieds à 90 degrés. C'est celui qui tient la pièce de monnaie devant son nombril, devant le hara, et qui tient l'éclair dans sa main gauche avec un angle de 90 degrés, et qui regarde à droite, avec le chapeau qui fait le symbole de l'infini. C'est ça le battleur, c'est le 1. Et vous allez le retrouver dans l'arcane 22, le Bat, Mahat, le fou, le fol en amour, Rumi, ceux qui dansent et qui chantent la vie. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement, même si on rejoint, on ne comprend pas, on ne fait que vous montrer cela. Quand je dis on, c'est vous-même qui vous montrez à vous-même. Vous acceptez de regarder et de traverser ou pas, mais c'est votre propre drame cosmique. Et chacun vit ce même drame cosmique de toutes les façons possibles. Et c'est rendu possible par la conscientisation totale du corps d'éternité. Donc j'y reviens. Vous avez vos deux piliers latéraux. Et puis on s'est aperçu qu'il y a un axe central qui est apparu. C'est l'alignement. C'est le moment où le 2 devient 1 et non plus le 1 devient 2. C'est le mouvement inverse. Vous passez de deux jambes à un pilier central. Ce pilier central, qui est situé entre les deux jambes, lui remonte bien sûr sur l'axe central, en passant par quoi ?
par Malkout. Malkout n'est rien d'autre que Maha, Mat, Kout, Ko, Ka, c'est la même chose. À Yesod, les mondes lunaires, le monde de l'imaginaire, où on a enlevé le Yod, c'est-à-dire où on a empêché la création d'agir en ce monde, pour mettre fin, entre guillemets, à la création, le Yod est devenu Od. À ce moment-là, du Od, qui est lié aussi au deuxième chakra, là où il y avait les lignes de prédation de l'anomalie primaire, peut enfin librement remonter jusqu'au cœur. De la même façon que le flux vibral central des 12 étoiles réunies en Marie au niveau du point d'air, peut se déployer tel un couronnement qui est réel et concret. C'est ce qu'on appelle le couronnement à partir du moment où on a lavé nos robes dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire dans le sang du Christ, hein, chose qui a été faite là depuis tout le mois de mai. À partir de ce moment-là, les 12 étoiles de la tête plus Marie se déploient à travers un flux vibral central qui passe bien évidemment par Od, par la porte Od, qui est aussi la porte étroite, je vous le rappelle. Hein, le passage de l'ego au cœur, c'est-à-dire la naissance de l'embryon christique. Et cette naissance de l'embryon christique, elle aboutit à quoi? Au rayonnement du divin du neuvième corps, qu'on appelle Abba. Donc on est tous Abba, sans aucune exception. Et c'est ça qui est à réintégrer en soi. Et ça se réintègre tout seul, par l'intelligence de la lumière, et par l'écriture, au sein même de la matière, de la vérité, c'est-à-dire que même tout ce qui était falsifié depuis 300 000 ans n'a fait que servir la lumière en totalité. Hein? Et il fallait qu'il y ait cette notion de cycle, parce que je vous rappelle que ce qu'on appelle la source, les Pléiades, elles sont combien de sœurs? Elles sont sept sœurs, les sept étoiles des Pléiades. C'est les sept super univers, puisque sept, c'est le nombre d'outils, c'est le nombre de Dieu, comme on dit. Le nombre de la source, c'est ce qui nous permet de mener à bien la création. Mais la création, elle ne s'arrête pas à 7. Elle retourne au 0 par le 9. C'est-à-dire que du 6, où on a le choix de l'amoureux entre la gauche et la droite, je vous rappelle que l'amoureux, c'est l'initié qui arrive avec les deux voies, la voie sèche et la voie humide, la voie de la femme, qui est la voie de la fécondité et de l'accueil, ou la voie de l'homme, qui est la voie du pouvoir. Mais qui ignore la femme. Tout pouvoir sans féminité n'aboutit qu'au drame que nous vivons dans la matière. Donc la restitution et la libération du féminin sacré au niveau, bien évidemment, de ce qu'on appelle le foie, le lieu de l'image, le lieu où l'âme a été viciée et corrompue en se tournant vers la matière au lieu de l'esprit au moment de l'enfermement, c'est d'abord retourner. De la même façon que le triangle de feu présent au niveau du front, vous vous rappelez, avait la pointe en haut et maintenant la pointe en bas. La pointe en bas du sac de Od, du triangle de feu, et la pointe en bas de votre sacrum, os triangulaire, pointe en bas, os sacré, lui aussi, pour faire le miracle d'une seule chose dans votre cœur. Ce cœur qui correspond à ces deux triangles donnant ce qu'on a appelé le sceau de Salomon, l'étoile à six branches, qui doit aboutir au 7 et surtout au 9. Hein? Et quand vous réunifiez vos deux polarités masculines et féminines, bien évidemment, vous portez en vous, en ce corps, nous portons tous en nous le drame cosmique historique, nous portons tous en nous la faiblesse du talon d'Achille, relisez Annick de Souzenel, le symbolisme du corps humain, relisez de l'arbre de vie au schéma corporel, le modèle du corps d'éternité n'est rien d'autre que l'arbre des séphirotes, mais arbre des séphirotes avec ses 12 sphères et plus ses 10 sphères, c'est-à-dire qu'il faut remettre les deux qui ont été enlevés, plus l'Ein Sof Haor, qui faisait partie aussi des séphirotes. C'est-à-dire qu'on a voulu nous faire croire que le 10 était l'unité, mais le 10 n'a jamais été l'unité. Pour cela, il faut monter au 12, afin que là aussi, ce 12 devienne 3 et devienne 1.
Et vous l'avez illustré partout, vous avez 12 étoiles, vous avez 24 anciens. Je vous rappelle que la structure de fonctionnement de la, jusqu'à présent dans les mondes de 3D dits unifiés se faisait par l'intermédiaire d'un emplacement géodésique des consciences, Ramatan l'avait parfaitement expliqué, où vous avez 24 consciences qui sont réparties sur une structure géodésique qui n'est rien d'autre que le tétractis hexaèdre du cœur, où à 24, on fonctionne en unité. Ramatan l'avait parfaitement expliqué dans l'humanité en devenir. C'était leur mode de fonctionnement à eux, c'est aujourd'hui notre mode de fonctionnement à nous, dans cette fin des temps, tout simplement. Alors, quand vous rejoignez l'axe central, à ce moment-là, tous les déséquilibres entre la gauche et la droite se résolvent, soit par des douleurs, soit par des paralysies, soit par des événements qui surviennent sur la jambe droite le plus souvent, parce que l'anomalie primaire, elle a quand même pas mal perturbé aussi le masculin sacré, hein, et il a fallu réparer le féminin sacré en rééquilibrant la gauche et la droite. Oui. Justement, un petit éclairage. Tu dis les manifestations à droite et à gauche. Ouais. Mais lorsque les manifestations se font en même temps à droite et à gauche. Alors, à droite et à gauche, ça renvoie au solutionnement ultime. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déséquilibre, mais que quand il y a une manifestation bilatérale, d'ailleurs je vous l'ai expliqué au niveau de ce qu'on appelle les zones topographiques des chakras, puisque je vous avais dit par exemple que le premier chakra correspond aux deux jambes, que le chakra du cœur correspond aux deux bras, mais que par contre si vous êtes en dessous dans l'ego, ça correspond au côté gauche, et que si vous êtes dans le pouvoir en dessous au deuxième chakra, ça correspond au côté droit. C'est affreusement simple. C'est-à-dire qu'il y a une telle cohérence maintenant, depuis le plus haut jusqu'au plus bas, non pas à travers le symbole matriciel, hein, comme ont fait ses sœurs il y a quelque temps, mais directement au niveau de l'archétype et non plus au niveau de la matrice falsifiée. Et c'est normal qu'aujourd'hui, que ce soit à travers des chansons, à travers des images, à travers le fait d'accueillir l'autre ou accueillir ses démons, que vous retrouviez votre vérité. Et il n'y en a qu'une. Donc cette vérité, comme il n'y en a qu'une, elle ne peut se faire qu'à travers un seul corps, quelle que soit l'infinité des costumes, l'infinité des mondes, ou l'infinité des dimensions. Enfin, pas infinité, mais enfin, ça aurait pu être une infinité de dimensions. Donc, tout ça est cohérent. Donc, quand votre corps d'éternité est parfaitement présent, qu'est-ce qui va se passer? Certains d'entre vous le vivent déjà depuis un mois ou deux. Ben, vous allez vous retrouver soit en conscience nue, soit en amour nu, vous êtes pieds et poings liés encore ici, vous vivez l'amour, mais vous n'avez droit à rien d'autre, parce que vous n'avez besoin de rien d'autre. Et puis tous ceux qui ont emprunté des costumes, ben, ils empruntent les costumes pour aller faire le travail qu'il y a à faire dans l'illusion, qui n'est pas un travail lié au labeur et à la torture, étymologiquement, mais c'est un travail de présence, tout simplement, où simplement les frères et les sœurs qui sont en conscience nue ou dans leur corps d'éternité s'aperçoivent que où ils passent sur la terre, la lumière se fait, c'est-à-dire que le feu igné brûle tout. Donc ce qui se passe dans notre corps, c'est exactement la même chose. On commence à disparaître par les pieds, et quand la disparition arrivera au niveau du cœur, ben, c'est fini, puisque le cœur s'arrête et les poumons s'arrêtent. Quand le cœur et les poumons s'arrêtent, ce n'est pas encore la mort, puisqu'il y a résurrection. Si elle dure un jour, on ne sait pas, parce que les 130 jours ont commencé, ça va durer un jour, une semaine, 40 jours, je n'en ai aucune idée. Hein? Et de toute façon, il faut passer par la partition, même moi, même chacun de vous, même libéré, même absolu, même qui a été libéré en 2012, je l'ai dit et je le répète, vous ne pouvez pas être amour si vous n'êtes pas dans la joie. C'est-à-dire la joie, là, c'est le rire de tout et de rien. Sans ça, vous êtes constipé. Sans ça, vous êtes coincé. Et l'amour, il n'est pas dans tous les recoins. Hein? Quand l'amour est dans tous les recoins, vous ne pouvez plus être coincé. Vous ne pouvez que rire. Si vous ne riez pas, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, dans votre rigidité et dans votre propre enfermement. Même à travers la libération que vous avez créée vous-même. Il en est de même pour chacun, et il en est de même même pour Marie. Hein? Et même pour moi. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Tant que vous voyez une différence, s'il y a la moindre personne qui encore aujourd'hui est comme ça, « Ah, Marie, Marie, Marie » ou « Ah, bah, bah, bah », il n'a rien compris. Parce qu'il n'y a rien à adorer. Puisque nous sommes tous les mêmes.
Il n'y a aucune différence. Il n'y a que l'apparence qui est différente. Or, comme on rentre dans l'évidence et qu'on n'est plus dans l'apparence, alors je ne vous fais pas le jeu avec le syllabaire sumérien, mais même dans ces deux mots, hein, je vous prends évidence, je vous donne la même chose. Mais on n'est pas là pour faire un cours de phonétique ou un cours de sumérien, on est là pour trouver la simplicité. Mais néanmoins, sachez que depuis la simplicité la plus évidente du cœur jusqu'à la complexité de toute l'architecture des mondes, des univers et des lois, que ce soit la loi de 1 ou les lois d'action-réaction, on retrouve la même chose. Et votre corps d'éternité est le son qui vous permet d'actualiser en totalité votre résurrection afin de brûler vous-même votre corps de lumière. Parce que vous êtes antérieur à la lumière. Or, comme il n'y a qu'un corps d'éternité au niveau de l'archétype, c'est affreusement simple. Dès qu'un corps d'éternité est brûlé, non pas seulement comme ça s'est produit pour le Christ, pour Bouddha ou comme certains saints, là, quand le corps de l'humanité collectif est brûlé, chose que j'ai réalisée quelques jours avant le 7 mai, c'est-à-dire d'aller brûler le corps causal de la planète en conscience nue, c'est-à-dire la dernière couche ionosphérique, a été complètement fracturée. Dès ce moment-là, l'anomalie primaire, bon, il a fallu lutter un peu, mais l'anomalie primaire a été évacuée, retour aux origines, comme avant. Et là, c'est la béatitude. C'est pour ça, quand on me posait encore les questions, soit à bas, soit à moi, hier, par rapport aux vies passées et tout ça, mais ça se déroule dans le même temps. Vous êtes toutes les vies passées de toute la création. Absolument toutes. Les vôtres comme celles des autres. Il n'y a pas de différence. Il n'y a que le rêve d'individualité qui vous fait croire que vous avez été que ceci ou cela. C'est de l'histoire. Et les histoires ne veulent rien dire. Là, on vous propose non pas l'histoire, mais qu'est-ce qui a créé l'histoire? Et quand vous vivez que vous avez créé l'histoire, non pas seulement l'histoire dans ce corps, dans cette chair, dans vos vies passées, mais là-haut, vous ne pouvez que rire. Il ne peut rien avoir d'autre que le rire. C'est évident. Et bien évidemment, ceux qui ne le vivent pas, qui sont coincés, eh ben, ça se voit dans leurs yeux, ça se voit dans leur posture, ça se voit dans leurs mots, ça se voit dans leurs gestes, ça se voit de partout. Et ça aussi, on le voit quand on dit « je te vois ». Et on est des millions maintenant, mais qui ne se connaissent pas, qui disent « je te vois, je t'ai vu ». Parce que c'est la vérité. Et c'est la phrase que m'avait dit Anaël avant qu'Adé commence et avant que les noces célestes commencent, où j'ai mis 3 semaines pour accepter, parce que toutes les nuits j'appelais soit mon père, soit ma mère. C'était justement ce blanc du gris planète qui met fin au rêve d'individualité. Mais quand vous êtes dans l'ego, c'est pas possible de l'accepter. D'ailleurs, j'ai mis 3 semaines à accepter. Hein, toutes les nuits, je pleurais, j'appelais. Parce que je n'acceptais pas de me fondre dans cette lumière. Je tenais, comme chacun, à mon individualité. C'est un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar, l'individualité. Ici comme ailleurs. C'est un cauchemar total. La seule béatitude, c'est quand il n'y a rien de tout ça. C'est quand vous êtes dans ce fameux vide, qu'on appelle le grand vide. La seule façon d'arriver au grand vide, c'est de voir et de vérifier et de vivre par vous-même que nous sommes les uns dans les autres, les uns avec les autres. Alors je vous invite à regarder les chansons qui commencent par les uns ou les autres. Vous allez retrouver toute la trame. Comme pour comme avant, comme je l'ai posté ce matin, vous allez regarder toutes les chansons en français ou anglaise traduite en français, vous avez comme avant, vous les avez partout, dans le rap aussi, vous les avez dans des opéras, dans Carmen de Bizet, vous avez la même chose, relisez les paroles, qu'elles soient en latin, traduisez-les en français, il n'y a rien qui a échappé à Abba. Pourquoi? Parce que tout était écrit, absolument tout, il n'y a aucune liberté. Vous empruntez simplement des lignes temporelles. C'est déjà le cas. La création n'a jamais eu lieu. Je ne décris rien puisque ça n'a jamais existé. Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Vous empruntez des trames temporelles. Vous empruntez des costumes. Et vous jouez. Mais simplement à l'extrémité des dimensions, vous avez oublié que vous jouez. Donc vous avez oublié le rire. Vous avez oublié la légèreté, tous, même moi. Et
dès l'instant où vous acceptez qu'il y a des créations, parce qu'il n'y a jamais eu création, ben, plus avoir de douleur. C'est-à-dire même ce que j'ai endossé au mois de mai en disant avec mon marteau et mon enclume, là je vais aller taper partout. Effectivement, je voyais les résultats au niveau des éléments. Ça se voit, ça se vit, c'est réel, c'est concret. Il n'y a pas besoin de ça. Il fallait y passer, et maintenant c'est relâche, repos, silence, évidence. Mais tout ce travail a permis aussi à Abba de conscientiser qu'il n'y a jamais eu de départ, qu'il n'y a jamais eu d'arrivée. Comme disait Nisargadatta, on n'a jamais bougé. L'univers a été créé, le jeu absolu ne s'est jamais déplacé. Il est là, il demeurera. Quand tous les univers disparaîtra, lui, il a toujours été là, il n'a jamais bougé. C'est chacun de nous. Donc, vous voyez le piège de l'identification, le piège qui va très loin, puisque quand vous naissez, on vous donne un état civil et vous appartenez à la reine-mère. Puisque la propriétaire de tous les états civils de la Terre, c'est la reine-mère. Pas Marie, mais la reine-mère inversée, qui est aussi une part de Marie, bien sûr. Comme une part de moi, comme une part de chacun de vous. Vous voyez ce qu'on appelle la peur ou l'amour? Je dirais que maintenant, c'est la peur ou le rire. Si vous êtes dans la peur, vous ne pouvez pas rire. Rire n'a rien à voir. Hein? Il n'y a que les oiseaux de mauvais augure, hein? Ceux qui sont restés dans l'œuvre noire, qui ne rient pas parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'œuvre blanc, parce qu'ils ne veulent pas lâcher la création. Ils croient qu'ils ont été créés. Je parle même plus d'évolution, puisqu'on sait que ça n'existe pas. Hein? Ils croient qu'ils doivent encore améliorer quelque chose. Et ils demeurent dans le bien et dans le mal. Et ils voient du noir partout. Et ils voient du blanc partout. Et ils parlent d'unité tout le temps. Elle est où l'unité là? C'est compris, c'est vu, mais c'est pas vécu. Anaël me l'avait dit pendant ces 3 semaines. Comprendre n'est pas voir. Voir n'est pas vivre. Tant que vous n'avez pas vécu l'alpha et l'oméga, tant que vous n'avez pas vécu Aleph et Od, par l'intermédiaire de Yahvé et de Yeshua, vous ne pouvez pas redevenir Elohim. Parce qu'il y a pas, il y a eu effectivement 12 Elohim qui se sont extériorisés sur Terre au concile d'Alta. Nous sommes tous les 12 Elohim aussi. Vous voyez? Et c'est ce qui se déroule au travers de la prise de conscience, non pas seulement des capacités de la conscience nue ou de la conscience d'éternité quand on voyage, puisque je vous l'ai dit, et tous ceux qui voyagent avec moi en conscience nue peuvent emprunter n'importe quel costume. Ils peuvent être Marie, ils peuvent être Bouddha, ils peuvent être Thor, ils peuvent être Odin, ils peuvent être Shiva, ils peuvent être Brahma, ils peuvent être Tlaloc, ils peuvent être Quetzalcoatl, ils peuvent être ce qu'ils veulent. Et ça se fait concrètement et réellement. C'est un rêve, mais un rêve qui est bien plus réel que nos rêves en ce corps, puisqu'ils agissent directement sur la matière, et c'est-à-dire sur les éléments. Le ciel a rejoint la terre, mais il a aussi rejoint la terre en vous. Et c'est ce drame qui se déroule en ce moment, où, au-delà des perceptions vibrales des étoiles, des portes, de la conscience elle-même, nous résolvons les derniers antagonismes. Alors pour certains, ça va être la douleur, pour certains, ça va être un os, pour d'autres, ça va être un nerf, ce qui est mon cas, je le dis avec les extenseurs du pied droit. Mais chacun y passe. C'est la résolution. Et c'est la finalité de cette résurrection. C'est-à-dire non plus seulement libérer l'anomalie primaire, non plus seulement libérer le liseré du cœur ou les bracelets aux chevilles ou aux poignets, qui étaient les bracelets de la justice marat, qui n'étaient pas faits pour vous embêter, puisque je vous ai même dit qu'au niveau des soins individuels, quand je les faisais de façon consciente et totale, intéressant tous les plans, il m'arrivait de remettre des bracelets. Et même à moi, je m'en mettais des fois. Parce que ça se passe ici, et que le drame cosmique se résout dans chaque chair, dans chacune de vos cellules. Et quand ils nous ont dit que les archanges sont en nous, les anges du Seigneur, ce n'est que nous. Les maîtres généticiens de Sirius, ce n'est que nous. Démultipliés à l'infini, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Donc tout le reste que vous vous racontez, qu'on se raconte en soi par rapport à nos douleurs, nos interrogations, nos questionnements, ne sont que du vent, ce n'est pas le verbe. Et l'alchimie, la finalisation de l'alchimie, c'est effectivement rejoindre l'axe central
qui non seulement a allumé ce qu'on appelle la Merkaba interdimensionnelle, personnelle et collective maintenant, ce qui explique que n'importe quel frère et sœur peut se retrouver là-haut en conscience d'éternité dans un corps d'aigle et emmener avec lui des milliers de consciences nues. C'est normal, puisque tout est dans tout et que rien est dans rien. C'est extrêmement facile. Et ce qui se joue dans votre corps d'éternité, je vous ai parlé des deux axes latéraux parce que c'est ceux qui, au niveau des jambes, illustrent au niveau de la matière le bien et le mal, mais ce bien et ce mal, il existe aussi dès la première création, nous a-t-on dit. C'est la vérité. C'est, là, c'est les bras. Et c'est les ailes d'Isis, avec les bras déployés, Nibiru, ou les pieds et les poings liés, où vous ne pouvez plus agir dans la vérité, dans la rectitude, vous n'agissez que dans l'illusion. Rejoindre les mains et les pieds, c'est rejoindre ce qu'on appelle en médecine chinoise les cinq centres, les cinq extrémités. C'est quoi les cinq extrémités? C'est le mouvement de la vie, le chiffre 5, les cinq mouvements, les wuxing en chinois. Et vous avez l'extrémité de la tête, l'extrémité des mains, l'extrémité des pieds. Ce n'est plus le aleph, première lettre hébraïque, c'est ce qu'on appelle le aleph final, avec un E à la fin, parce que ce aleph initial, qui était toute la rigueur du yod et du kof, dans le symbole de la cristallisation de la vie, devient un aleph final avec un E, c'est-à-dire que l'aleph père est devenu mère en totalité, réabsorbant en lui par sa fusion avec Marie, le drame initial, primordial. Et ça, vous le vivez à chaque minute, que vous en ayez conscience ou pas. Vous réunifiez vos polarités pour faire le miracle d'une seule chose. Cette chose, elle n'existe pas. Une seule chose, c'est simplement... Et regardez le mot « chose » aussi dans les paroles de chansons, vous allez trouver exactement la même chose. Je peux vous le faire pour n'importe quelle chanson, pour n'importe quel compositeur de musique classique ou moderne, vous retomberez toujours sur vos pieds. Il ne peut pas en être autrement. Qu'est-ce qui se passe quand vous libérez la Trinité au niveau du cœur? Vous savez, la respiration, expansion, retour au cœur du cœur au point. Hein, et c'est pareil dans les soins. Je peux le faire en expansion totale, c'est-à-dire avec cet aspect enrobant qui correspond à la fusion d'Abba et de Marie. Hein, et là, à ce moment-là, vous allez soit rien sentir, soit sentir une douceur. Et si vous m'énervez, entre guillemets, dans le bon sens du terme, là, je viens seul. Et qu'est-ce que je fais? Je traverse comme un éclair. Et là, vous vivez quelque chose qui est explosant, qui est l'inverse du mouvement de contraction. Maintenant, comme je fais avec Marie, c'est-à-dire à deux, entre guillemets, pour rejoindre le vin, qu'est-ce qui se passe? C'est l'équilibre total. Bien évidemment, il ne peut pas y avoir d'effet à 100% chez 100% des gens, parce que nous sommes obligés de respecter votre ligne temporelle. Ça ne dépend pas de votre accueil, ni de notre accueil, parce que nous accueillons les uns et les autres comme chacun, de la même façon et avec la même intensité, mais nous respectons votre finalité de ligne temporelle. Il ne peut pas en être autrement. Hein? Mais néanmoins, effectivement, on constate que ça va de plus en plus vite. Hein, vous avez maintenant des soins où vous avez des gens qui ont des scolioses qui ne peuvent plus marcher depuis leur naissance, qui se redressent d'un coup. Puis vous avez des gens qui ont des petites douleurs qui les emmerdent, dont je fais partie, ou des petites paralysies, et où ça ne marche pas. C'est normal, c'est que ça ne doit pas marcher maintenant. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de délai. Tout est parfaitement joué, tout est parfaitement orchestré. Hein, même si ça vous semble terrible et que ça vous emmerde, c'est bien fait. Parce que plus ça vous emmerdera, plus vous allez en sortir. Hein? Donc il n'y a ni merde, ni rose, c'est la même chose. Simplement de la façon dont vous regardez, ben, d'un côté c'est de la merde, de l'autre côté c'est une rose. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'on dit ça. On appelle le point de vue. Donc le corps d'éternité, je ne vais pas revenir dessus. Bien évidemment, vous avez, en chacun de nous, nous avons dans ce corps d'éternité ce qu'on appelle les solides de Platon. Mais les solides de Platon intriqués, d'abord le plus important, le tétractys hexaèdre. Et ensuite, vous avez Mahat, la justice, la fin de la prédation qui, elle, est dans le petit bassin, c'est-à-dire l'octaèdre, le 8, l'infini, le sacrum qui est derrière, avec ses quatre portes.
et les deux portes qui sont là, les six portes. Ah, six, c'est bizarre. Ah oui, ça nous renvoie à 666. À 66, ça nous renvoie à quoi? À l'anomalie primaire, on nous l'a dit. Les lignes de prédation étaient situées sur le karma, sur le deuxième chakra. Hein? Ces lignes de prédation, elles ont sauté. Néanmoins, ça n'a pas suffi, puisqu'on est encore là au bout de 6 ans de cette onde de vie, ça n'a pas suffi à libérer l'alpha et l'oméga. Parce que tant que vous dites « je suis la voie, la vérité et la vie », vous ne faites que comme le Christ, vous perpétuez la création. Donc pour arrêter ce qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été créé, donc arrêter le rêve, vous ne pouvez que passer que de cette façon, c'est-à-dire d'avoir tout écrit antérieurement à la création. Tout étant écrit à l'avance, c'est la meilleure preuve qu'on puisse vous donner que ça n'a jamais existé. Il est où le libre arbitre, l'argent? Il n'y a aucun libre-arbitre, ça n'existe pas. C'est l'ego qui croit ça. C'est les archontes qui se sont enfermés aussi qui croient ça. Tout ne sert que la lumière. Rien ne peut servir autre chose que la lumière, même dans l'ombre la plus noire. Sans ça, la création n'aurait jamais été parfaite et le rêve n'aurait jamais été parfait. Et vous n'auriez jamais cessé de rêver. Et ce rêve vous aurait emmené de plus en plus loin, vous le saviez. Hein, c'était annoncé d'ailleurs par Steiner, c'est de faire passer la conscience d'un corps biologique à la bête, c'est-à-dire dans les circuits électroniques. Et là, pourquoi Omram Mikhaïl Ivanov, avant même qu'il soit commandeur, je vous l'avais dit, je le redis, avait insisté pour qu'on passe par Internet, vous comprenez pourquoi, la bête binaire c'est Internet, il fallait pénétrer la bête binaire, la contaminer, c'est la pandémie qui a été déclenchée au mois de mai, et qu'on voit les résultats maintenant. Et encore, vous ne voyez pas tous les résultats, parce que comme je vous l'ai dit, la traversée du désert, elle dure 40 jours. Hein? Donc jusqu'au 7 juin, vous avez 30 ou 31 jours, vous rajoutez les 9 jours, et vous allez atterrir, comme je l'ai dit, peu ou prou aux alentours de la fin du Ramadan. 14. Donc une semaine, les 7 marches, une semaine avant d'arriver au solstice d'été. Maintenant, est-ce que le solstice d'été, c'est le moment où même Marie brûle le livre? Je n'en sais rien. Pas plus que vous. Puisque, comme je l'ai dit, chacun joue sa partition, que cette partition converge vers le final, et que le final, c'est ça. C'est un grand éclat de rire cosmique. Tout ça n'a jamais existé. C'est un rêve. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que ça. Et quand vous êtes ça, ben vous n'avez plus besoin de forme. Je vous l'ai expliqué combien de fois que j'arrivais à maintenir la présence au sein de Shantinilaya, où j'étais un point qui se rétrécissait de plus en plus pour passer dans cet absolu, c'est-à-dire dans l'océan primordial, que je voyais tous les possibles autour de moi, toutes les dimensions et tous les mondes, et que quand vous touchez ce point-là, vous n'avez plus du tout envie d'aller à la périphérie, parce que plus vous approchez de l'alpha, plus vous croyez aller vers l'oméga, vers Ode, plus en fait vous allez vers l'alpha final. Il n'y a jamais eu d'alpha et d'oméga. Il n'y a jamais eu de voie, il n'y a jamais eu de vérité, il n'y a jamais eu de vie, puisqu'il n'y a que l'amour. Comment voulez-vous tracer une voie, une vérité ou une vie dans ce qui est parfait? Il ne peut pas y avoir d'évolution. L'évolution, c'est les pièges de l'ego. Vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes même pas une forme. Vous n'êtes même pas ce corps d'éternité. Vous n'êtes même pas la lumière. Vous êtes bien antérieur, on est tous bien antérieurs à la lumière. La lumière manifestée n'est qu'un rêve. La véritable lumière, c'est ce qu'on appelle, vous le savez, c'est écrit dans la Kabbale, c'est ce qu'on appelle l'Ein Sof Haor, dont l'image est ce qu'on appelle Chokma, c'est-à-dire l'intelligence créatrice, qui est liée, bien sûr, à la pierre noire, et qui est liée, bien sûr, à Saturne, au maître du temps, mais celui falsifié. C'est-à-dire que maintenant, on passe du cube blanc, du cube noir, pardon, sur ce monde, c'est-à-dire les musulmans qui tournent à l'envers autour de leur pierre, au cube blanc, c'est le cube qui est descendu de la tête au cœur et qui maintenant remonte du cœur à la tête pour comprendre qu'il n'y a ni tête ni cœur et ni corps. Et tout ça est joué en musique, en énergie, en vibration, en conscience, dans les images, comme dans le comportement de la Terre, comme dans le comportement du ciel, l'arrivée de Nibiru, l'accouchement de la nouvelle Terre qui a eu lieu,
il a eu lieu, cette nouvelle terre qui ne sert à rien, entre guillemets, mais qui servira, bien sûr. Quand je dis que ça ne sert à rien, encore une fois, ne voyez pas de linéaire. Le rêve s'arrête. Quand je dis que le rêve s'arrête, vous pouvez à la fois être absolu et être le rêveur que vous voulez. Simplement, ça ne sert à rien d'aller aussi loin de la source, puisque dans les dimensions, je savais dès le départ que l'anomalie allait entraîner nécessairement la fin du rêve. Et qu'il n'y a pas de différence entre l'ombre et la lumière. Il n'y en a aucune. Encore une fois, comme c'est écrit dans le Coran, c'est les deux faces de la même monnaie. C'est une monnaie de singe. Elle ne paye rien. Elle ne crée que des dettes. C'est ce que Marie avait appelé l'usure. Et oui, on s'use. S'user sur cette terre, puisqu'on sait qu'on est et on meurt, c'est un problème d'énergie. C'est le problème initial de Lucifer. Tout se fait par résistance, par action-réaction, et non pas par la grâce. Parce que quand les choses se font par la grâce, ben, il ne peut plus y avoir de résistance, il ne peut plus y avoir de friction. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe au niveau de la Terre, pas uniquement dans notre conscience et dans notre corps, physique ou d'éternité. À Hawaï, première Éden, la fissure 8 de Mat libère maintenant non plus seulement le sang de la Terre, mais l'esprit de la Terre. Parce que l'esprit de la Terre qui était enfermé dans le noyau cristallin de la Terre, il y avait un équivalent, je vous avais dit, qui avait été apporté par les Elohim il y a 50 000 ans, qui était en Argentine, qui était le cristal bleu, qui équivalait au cristal enfermé de la Terre. Ayant retiré le noyau cristallin de la Terre, on a libéré le feu de l'éther, le feu igné de la Terre, qui se répand sur la Terre par la bouche 8 des 24 fissures du premier Éden. La fissure 8 qui renvoie au 8, la justice, Mahat, l'infini. Il n'y a pas plus de défini que d'infini. Il n'y a pas plus d'indéfini que de non-fini. Hein? C'est ce fameux point central où tout n'est que béatitude. Et quand vous vivez cela, c'est-à-dire c'est le serment et la promesse totalement actualisés, vous riez de vous-même. Vous riez d'une évolution, vous riez de vos lignées, vous riez de vos expériences, de vos visions. Ce qui ne vous en prive pas pour l'instant, hein. Je suis toujours aussi content d'aller chez les elfes. Je suis toujours aussi content quand j'ai un problème d'aller voir les dragons ou les gnomes pour qu'ils me soignent. Ils sont en moi, je le sais. Mais néanmoins, je joue le jeu. Hein? Contrairement à tous ceux qui se sont enfermés, d'abord, vous rappelez, en 2012, dans le choix, et puis après, ceux qui se sont enfermés dans leur propre liberté d'absolu. Parce qu'ils n'ont pas joué le jeu. Ils ont voulu se retirer du jeu avant que le jeu ne se termine. Or, vous êtes obligés de boire la coupe jusqu'à la lie. Le livre est doux à la bouche, amer au ventre. Il faut le bouffer complètement. Et quoi qu'il se présente, même si c'est lourd dans le corps, quand des moments d'alignement, c'est l'occasion rêvée pour réabsorber, pour manger tout. Hein? Vous pouvez émettre, expansion, mais surtout n'oubliez pas de réabsorber. Jouez le jeu du Bereshit Bara, hein, c'est-à-dire du premier souffle, inspire, expire, en devenant le 3, parce que le rythme du cœur devient ternaire et non plus binaire. Vous passez du 2 au 3, qui vous ramène au 1, sans en passer par les 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, c'est fini. C'est fini. Donc vous retrouvez, effectivement, nous retrouvons tous ce que nous sommes, en mettant fin au rêve de la création, hein, rêve de la création qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est fabuleux, d'expérimenter toutes les formes, jusqu'à un certain degré, qu'on appelle l'oméga, qui vous dit stop, stop, parce qu'après il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien, non pas de l'absolu, il n'y a plus rien d'expérimentable. Et donc, on clôture sans enfermer, on délimite sans cadrer, c'est-à-dire qu'on n'est plus repéré sur le 4, qu'on appelle les 4 éléments, on est repéré sur le 5, puisque l'éther primordial est revenu, et que le mouvement de la vie, maintenant, n'est plus conditionné par autre chose que la vérité. C'est ça qui met fin au monde. C'est pas Shiva qui va taper ou Indra qui va venir dire hey, c'est fini, maintenant je détruis tout. Vous ne détruisez rien puisque rien n'a existé. Vous ne faites que faire le chemin inverse. Ouroboros, de l'alpha à l'oméga, que voulait nous faire croire tout le monde, mais en fait de l'alpha à l'alpha.
de l'aleph, première lettre hébraïque, à l'aleph finale, en passant par oméga, qui est la porte, arcana, l'arcane, tarot, rota, hein, et aussi par od. Vous avez fini donc l'illusion de Yesod, c'est-à-dire des mondes imaginaires du reflet de la lune, arcane 18, qui est le jour de naissance de Marie, hein, pour terminer enfin en ce qu'on appelle le couronnement, c'est-à-dire en le 24. 24 qui est 4 et 2, 6, mais qui ramène le 4 au 2, qui permet de voir la dualité, et le ramenant au 3 et au 1. Il n'y a plus besoin d'avoir autre chose. Donc l'alpha est devenu l'aleph final. Le od, comme il l'a dit, vous a remis les clés, et la baguette du magicien, c'est-à-dire la baguette du battleur. Et quand vous voyez tout ça, vous ne pouvez plus rester sur la table de jeu, vous ne pouvez plus rester avec le pouvoir de la pièce de monnaie, vous ne pouvez plus rester avec votre baguette de magicien, vous rendez tous les outils et vous devenez le fou, le mat. Justice est rendue. Je ne peux pas vous dire mieux. Ou que vous regardiez dans les chansons, dans le tarot, dans les symboles, dans les religions, dans les spiritualités, absolument tout. Même ceux qui voulaient s'opposer à ça ne font que vous renvoyer à ça. Et c'est pour ça que les guignols, ils pleurent. Hein. Au G7, là, et au Bilderberg, ils sont en larmes. Ben oui, il n'y a plus de contrat. On ne veut plus signer. Les contrats, ils sont brûlés. Il n'y a plus aucun pouvoir à exercer sur quiconque, puisque quiconque n'est en définitive que vous-même. Et c'est la grande claque que chacun prend en ce moment. Hein. Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à vous que vous le faites, puisque vous êtes le Christ maintenant, réellement et concrètement. Alors, est-ce que vous voulez jouer à la voie, la vérité et la vie, ou est-ce que vous voulez jouer à l'aleph et l'aleph, à l'alpha et à l'aleph finale, en passant par epsilon, mais après avoir emprunté ode, c'est-à-dire avoir chanté avec tout le monde, avec la création, et là, il n'y a que le rire. Et en plus, c'est prouvé en neurosciences. Ça, j'en ai jamais parlé, c'est tout récent. Quand vous êtes dans la tristesse, dans le mensonge, dans la peur, dans la dualité, quand vous êtes sans arrêt en train de voir du noir, tout est noir, oh là là, ça faut faire attention, il faut discriminer, vous vous enfermez vous-même dans votre identité. L'hypothalamus se resserre, le siège de l'identité se referme, vous calcifiez votre pinéale et vous êtes enfermé. Par contre, si vous acceptez le rire et la joie, vous allez multiplier les connexions dans votre cerveau. Vous allez favoriser quoi? Ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire la multiplication non pas des neurones, mais comme on le sait maintenant, de ce qu'on appelle les cellules de soutien des neurones, comme les cellules étoilées, comme par hasard, qu'on appelle des astrocytes. Il y en a des milliards dans le cerveau. La conscience, elle n'est pas localisée dans les circuits neuronaux, elle est localisée dans l'interface qu'on appelle les astrocytes. Et plus vous riez, plus ces astrocytes augmentent. Vous vous rappelez, j'avais dit qu'en neuroscience, on a les circuits de la récompense et de la punition. Le circuit de la punition, c'est quoi? C'est l'amygdale du thalamus qui envoie des fibres nerveuses sur les centres de la décision qui sont au niveau frontal. Or, je vous l'avais dit, tant qu'on était sous l'influence du feu prométhéen, tout était vu selon un regard de bien ou de mal. C'est-à-dire attraction, répulsion. Et puis le triangle a basculé. Et puis les étoiles se sont déployées. Et puis Ik et Nuk s'est activé. On a réveillé la Kundalini, on a réveillé tous les circuits au niveau du corps d'éternité. Hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va rester? Une fois que vous avez passé ça, une fois que vous avez retraversé toutes les étapes de l'œuvre alchimique dans l'autre sens, non plus comme ça a été fait depuis les noces célestes de l'œuvre au jaune, au rouge, et puis je ne sais plus quelles les couleurs, mais dans l'autre sens, vous fécondez la terre par votre présence Christ, vous jouez le jeu. Et même si vous refusez, vous jouez le jeu. Oui. Elfried fait chez elle des séances de yoga du rire. Je pense que ça nous ferait du bien de faire une séance. Tout ce qui est rire, quel que soit ce dont tu ris, ne peut que te libérer. Ben, rions. Ben oui, rions. Est-ce que je peux témoigner de ce qui m'arrive depuis hier? Comment? Est-ce que je peux témoigner de ce qui m'arrive depuis hier? Oui, viens témoigner ici parce que ça enregistre. Allez, vas-y. On t'écoute. Enfin, il y en a beaucoup qui vont t'écouter. C'est bien avec ton papillon là sur le... Oui, c'est
Un papillon en diamant. Alors hier, quand tu as prononcé le mot double pour la première fois, j'ai senti tout de suite, le double, mon double venir en moi. Et il a pris toute la place, puis mon cœur qui a commencé à accélérer, à chauffer, et puis... Bon, tant qu'on était dans la salle, c'était comme ça. Après, ça s'est atténué un petit peu. Et cette nuit, ça a refait pareil. Ça a pris toute la place, toute la place. Et tout à l'heure, quand tu as commencé à parler, ça a repris de plus belle. Et au bout d'un moment, la chose, elle est revenue vers moi, à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Et puis, tout ce que tu as dit, tout... Je le sentais, je le vivais, c'était moi. Et quand je regardais la salle, tout disparaissait dans une sorte de transparence. Le paradis blanc. Et puis quand tu as parlé d'Aleph, j'ai rigolé à l'intérieur, parce que quand je suis arrivée ici, il y avait encore une fois mon prénom Elfried sans E. Et je me suis dit, ça va être juste de l'écrire toujours maintenant avec le E, comme Aleph avec le E. Aleph final. Merci. Voilà, donc ça se joue, c'est pour ça que c'est un grand rire cosmique, parce que c'est inscrit partout, dans la cellule, dans l'ADN, dans les 100 000 pages de canalisation, même dans les livres sacrés falsifiés, même dans les religions falsifiées, ça ne peut pas être absent. Comment voulez-vous que l'amour puisse être absent de quoi que ce soit? Même dans l'horreur de quoi que ce soit, il y a l'amour. Il n'y a que ça. Et ce n'est pas une blague quand je vous dis il n'y a que l'amour, il n'y a que l'amour, il n'y a que l'amour. C'est la stricte vérité. Tout le reste passe. Et passe vraiment. Hein? Et ce témoignage que tu décris, ça me fait penser qu'hier, quand j'ai voulu écouter Abba pour voir l'atmosphère vibratoire, j'ai resté 10 minutes. Hein. J'ai cru que j'allais exploser littéralement. Et comme par hasard, au même moment, je regardais quand même encore les témoignages sur Facebook, puis je ne résiste pas au fait de poster un truc de temps en temps, tant que le nouveau site n'est pas fonctionnel, pour m'apercevoir que des tas de frères et sœurs, au même moment, me décrivaient exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en m'écoutant, soit en tant que Jean-Luc, soit en tant qu'Abba, ou n'importe quoi, même une canale de n'importe quand, vous allez le vivre et vous allez avoir, non pas l'impression, mais vous allez constater que c'est vous-même. Je ne peux pas vous donner de meilleure preuve que nous sommes les uns dans les autres. Les 100 000 pages que vous avez lues n'ont servi qu'à ça. Et tout ce que vous vivez, même au niveau de ceux qui s'opposent encore, parce qu'ils croient à leur scénario de domination ou de perpétuation de la matière, et bien commencent à rire eux aussi. Ils pleurent d'abord, hein, mais après ils vont rire. Ils vont rire. Vous ne pouvez que rire. Hein? C'est du cinéma. Pas seulement en ce monde, c'est du cinéma de partout. Cinéma. Allez, on vous le refait celui-là. Si, ici, Marie, na, non, ma, mat, absence de justice, cinéma. Et on peut aller très très loin. Pourquoi? Parce que la langue, vous le savez, on a eu quand même Claude Seba, on a eu Athias, on a eu plein de gens, Marc Fréchet, bien sûr, dont je vous ai parlé pendant des années, qui sont des êtres qui étaient français. Et la langue française est la langue des oiseaux, c'est-à-dire celle qui nous renvoie aux Sumériens originels. Au départ, c'était quoi? C'était bien évidemment l'hébreu et l'araméen, ou le sanskrit, qui sont les trois langues sacrées, parce que la graphie des lettres hébraïques, j'en ai parlé avec Thomas Thys, hein, quand il disait Aleph, vous voyez l'oscilloscope, il dessinait la lettre Aleph. Et nous, on a fait mieux à l'époque dans les expériences énergétiques avec Guillet, avec mon ami physicien, avec plein d'amis. Par exemple, la lettre Aleph, on a fait des expériences, vous ne pouvez pas imaginer. Hein? Vous prenez n'importe quel aliment, vous prenez n'importe quelle eau, vous prenez une culture de microbes et vous placez en dessous une onde de forme qui est la lettre Aleph, bien tracée. Hein? Et qu'est-ce que vous allez constater? Que si c'est de l'eau, elle ne pourrit jamais. Que si c'est par exemple un légume, vous mettez simplement une onde de forme, il ne pourrira jamais, comme la pyramide. Par contre, si vous avez des virus contraires à la vie, pas des virus, ça profite, hein, parce qu'il y a des bons virus quand même, mais si vous mettez la lettre Aleph dessus, vous tuez tout ce qui est anormal. Et l'Aleph, c'est nous, hein, le battleur, le magicien.
Je vous l'ai dit, je vous ai rendu la baguette magique. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Vous avez la table du battleur, c'est une table bancale d'ailleurs, vous regardez sur la canne du tarot, elle n'a pas 4 pieds, elle n'a que 3 pieds. Il ne peut pas y avoir, il n'y a que 2 ou 4 pieds. Il ne peut pas y avoir 3. Parce que 3, c'est les mains et les pieds, c'est le moyen d'agir dans l'extériorisation. La marche, la main tendue vers le ciel, ou la main qui façonne, qui crèche, c'est la même chose. Donc, il a fallu, si vous voulez, à travers tout ça, recoller les morceaux. Mais recoller les morceaux doit se faire pour chacun. Quand j'ai dit qu'on ne laissait personne, on ne peut laisser personne. C'est impossible. Impossible, impossible. Mais ça ne va pas durer des années, puisqu'on est sur quelque chose qui est exponentiel, que le seuil réel et concret des 144 000 est dépassé depuis très longtemps. Je ne parle pas des éveillés ou des libérés, de ceux qui vivent la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, hein, tout en vivant le tout, hein, qu'on appelle l'amour nu. Ouais. Jésus a dit redevenez comme un enfant, oui, pour atteindre le royaume des cieux. Nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient comme un enfant. Voilà, c'est mieux. Ouais. Et si on redevenait un enfant, un enfant avant le rêve, un enfant non manipulé par les adultes, ouais, c'est-à-dire qu'il découvre la vie, ouais, qu'il est la d'accord, joie, qu'il est dans la matière. Mais comment fait cet enfant pour se nourrir s'il n'a pas de maman? Ah ben non, mais ça ne fait rien. Il ne peut pas bouger ses mains, ses pieds. Mais on redevient dans notre cœur un enfant. Oui, dans ton cœur, pas celui-là. Non, dans celui de ma... Tout à fait. Voilà. Mais néanmoins, tu dois aussi vivre l'enfant ici, c'est-à-dire rire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais l'enfant. Et d'ailleurs, c'est la marque de tous les mystiques qui ont vécu ce brasier d'amour au niveau du cœur. Oui. Tu ne peux que rire. Regardez Rumi, regardez les premiers poèmes de Sri Aurobindo, Savitri sur l'eau au feu et le phénix. Regardez Swedenborg, regardez. Moi, je ne parle pas de ceux qui ont suivi les religions, qui ont été des prophètes, qui ont été enfermés. Osho, bien sûr. Sa dernière carte, c'est le rire dans le tarot d'Osho. Siddhartha était quelqu'un de très joyeux et quelqu'un de très incarné. Hein. Quand il allait faire le marché, il paraît qu'il marchandait tous les prix. Il était très très dur en affaires. Il s'amusait. Il s'amuse. Philippe de Lyon aussi. Donc tout ça, si vous voulez, quand vous le voyez avec le regard de l'enfant intérieur, ou mieux, avec le regard qui n'a plus de regard, c'est-à-dire avec l'amour, ben vous ne pouvez que rire. Vous pouvez mesurer maintenant non plus l'actualisation, on va dire, c'est finalisé maintenant, l'actualisation en ce monde de votre résurrection, vous pouvez le mesurer au nombre d'heures où vous riez par jour. Si vous ne riez pas, vous ne pouvez pas être léger. Hein? Et je vous invite à relire même, pour ceux qui connaissent, parce que moi j'ai adoré ce livre, dans le dialogue avec l'ange de Gita Mélache en 1945, c'était annoncé. Toutes les canas, d'ailleurs, vous l'avez, le groupe brésilien, la Chantini Laya, ils sont 4500 membres, mais ils connaissent sur le bout des ongles toutes les canas. Et en ce moment, ils ont ressorti les canas où il était fait état du mot Abba. Regardez, regardez, ça a été annoncé aussi bien par l'ange dans Gita Mélache que dans les lettres du Christ, que dans les religions, le retour d'Abba. Mais le retour d'Abba, ce n'est pas le retour de Jean-Luc Ayon, c'est le retour de vous tous. Merci. Moi, comme je lis, je n'ai été qu'une tête de pont. C'est tout. Hein? La tête de pont, en général, est la tête de con, comme on dit. Celui qui ne savait même pas qui jouait depuis tout ce temps-là. C'est vraiment un jeu de con. C'est normal. Pourquoi c'est un jeu de con, la tête de con? Parce que vous repassez par tous les archétypes en ayant l'impression que vous acquisissez des connaissances que j'ai fait toute ma vie, que ce soit avec la cabale, avec l'astrologie, avec le tarot, avec tous les systèmes hermétiques qui existent sur la planète, j'ai tous parcouru. Pour vous apercevoir à la fin... Il n'y a rien de con. Il n'y a rien. Vous voyez? Mais oui, mais ça, il faut le conscientiser avant de revenir à la conscience. Ça ne sert à rien de rester figé dans la conscience. Je suis tout, je suis rien, je suis dans le néant. Oui, c'est la vérité. Mais là, vous résolvez un drame cosmique. Donc, participez à la fête. Il est une heure, bon, c'est... Il est une heure. Allez, on arrête.